Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un petit récap de la manifestation du 7 mars sur Lyon. Comme à son habitude, le cortège est parti de la manufacture des tabacs, pas loin de l'arrêt de métro Sans Souci. Cette manifestation a rassemblé beaucoup de monde. Mon camarade, aujourd'hui je me suis renseigné sur les réseaux sociaux. Là ce qu'on voit c'est que dans toute la France on pète les scores. On pète les scores! À Lyon, il y aurait eu 25 000 manifestants selon les autorités et 50 000 selon les syndicats. Comme vous pouvez le voir, ils étaient très nombreux et avaient des chants plutôt originaux que je vous laisse découvrir. Je ne crains pas les fascistes, ni les capitalistes. Si tu touches à ma retraite, je te mets une balayette. À mort le travail! À mort le travail! À mort le travail! Ma course est immorale, ma course est hôpital, ma course n'est plus sociale, ma course est libérale, ma course est immorale, ma course est hôpital. Il y a malheureusement eu de légers débordements avec un peu de casse, notamment sur des boîtes d'intérim ou encore sur des établissements bancaires. Mais cela reste marginal et ne doit pas servir à discréditer le mouvement. Les manifestants ont ensuite traversé le pont de la Guillotière. Pour se rapprocher doucement de la place Bellecour. Où s'est terminée tranquillement cette manifestation. Enfin, j'ai eu la chance d'interviewer M. Grégory Doucet, qui est maire de la ville de Lyon, ou encore M. Gabriel Amar, de la circonscription du Rhône, qui est député de Villeurbanne. Mais tout ça arrive dans une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!